Non, j'ai payé. Hein? Ouais. Tu vas forcer combien? C'est possible parce qu'il y a vraiment les... Oui, c'est tout original comme ça. Bonjour, ça sera combien les jeux s'il vous plaît? Les PS4, ouais, et puis même PS2. Voilà, là, je le fais à 30. D'accord. Les jeux sont à 10, les Gran Turismo et les Guerriers avec Galaxy, 15€ pièce. Ceux-là, ils sont à 10, tu m'as dit? À 15€ les Galaxy et... Et les PS2, là? Ah, les PS2 ils sont à 2€. Ah ouais, parce que j'allais dire qu'à 15€ je croyais les PS2. Ok, ça marche. Bonjour. Ils sont à combien les jeux de PlayStation 4 s'il vous plaît? 6€. 6€? Et celui-là il est à 5€. D'accord. Bonjour. Oui. Elles sont combien les PlayStation? 50€ tout l'ensemble. Tout l'ensemble, tout l'ensemble. D'accord. Vous n'avez pas d'autres jeux vidéo par hasard? Non, j'ai plus. D'accord. Ok. On va voir. Il me regarde. Bonjour. Oh, vos examens, vous venez plus me voir? Oh, je sais, bon. Si quand je reviendrai vous voir, ce sera peut-être pour autre chose depuis le moment, vous me direz. Ils me disent bon, c'est que ça va alors. Voilà. Ils sont à combien les jeux, s'il vous plaît? Les jeux, 5€, monsieur. D'accord. Bonjour. Bonjour, ils sont à combien les jeux, s'il vous plaît? Ça dépend les jeux. Naruto. Le Naruto. Naruto, je vais vous dire ça tout de suite. C'est mon fils, alors il m'a donné ses prix. Mais... Ouais. Ça marche. Et voilà les amis, donc du coup on va faire le petit compte rendu. Alors on va commencer par le samedi. Pour le samedi, il n'y avait pas grand chose près de chez moi, du coup, bah pour ainsi dire, même rien du tout. Donc je suis parti en Belgique. Et du côté de je map pour ceux qui connaissent, qui sont du coin. Et du coup, j'ai pas chopé grand chose, je vais vous montrer ça. Mais bon, ça, on n'est pas revenu quand même les mains vides, mais là, vous allez voir les gars, c'est léger. Donc il y avait un stand de revendeurs, vous l'avez certainement vu dans les images. Et j'ai pu choper un petit lot du coup de 3 jeux. Dedans il y avait le petit Roi Lion sur PS1. En Black Label, donc ça c'est pas mal. Hop. Qui est complet. Juste les picots là, il manque la moitié, donc le CD il tient plus bien. Mais par contre le CD il est nickel. Donc ça c'est cool. Hop, je dirai les prix après, par contre là, les charnières, il y a un peu. Le Def Jam Icon, avec des étiquettes dessus, il faudrait que j'enlève. Hop, qui est complet, sur PS3 et sur PS2, le Shadow of Rome de Capcom. Donc là, il en voulait faire, ouais, et qui est complet dans un très bel état. Et donc il me dit, pour le jeu de PS1, celui-là je peux te le faire à 10, je crois qu'il me dit 10 ou 15, je sais plus. Après il m'a dit celui-là pour 5 et celui-là pour 5. Celui-là pour 5 je trouve que c'est correct, après Def Jam c'est un peu, voilà. Et j'ai eu les 3 pour 15, avec la négociation, donc ça fait du 5€ pièce. Bon, on va dire que celui-là c'est plus ou moins le prix, après pour les deux là ça reste cool à 5 balles pièce. Donc voilà, c'est le seul jeu que j'ai trouvé sur ce samedi. Par contre juste avant,
Donc je vous montre, c'est en état ça crapouille couille. Il y avait donc ça présenté exactement comme ça dans un bac à bouquins. Et donc je regarde un petit peu, puis après je demande à la dame, il y avait que ça. Elle me dit 50 centimes. Donc j'ai récupéré pour sauver. Donc celui-là, je pense que c'est une cover d'un, donc c'est le, c'est ça, je sais pas, c'est pas un 64 player ça. J'ai un petit doute que je dise pas une bêtise. L'autre c'est un 64 player, mais celui-là je sais pas. Donc bref, c'est une couverture de bouquin ancien quoi. Mais c'est que une couverture et qu'à déguster. Hein. Donc les gars, je voulais sauver un peu le truc. De toute façon, c'était avec le bouquin que vous allez voir juste après. Donc j'ai voulu le prendre pour sauver à 50 centimes. Je me suis dit bon. C'est jamais si un gars il a pas la couverture, même si elle a été, je sais pas, il y a un dinosaure qui est passé par là. Et là, c'est un 64 player du coup de Zelda, la solution ultime partie 1. Par contre, dans un état, les gars, voilà quoi, dans un mauvais état. Mais bon, pour 50 centimes, je l'ai quand même récupéré. Si éventuellement, peut-être ça trouvera preneur à la vente ou l'échange, on verra bien, parce que moi je vais pas garder ça. Mais ouais, donc là, il faut vraiment que je sois minutieux, les gars, pour vous montrer, parce que voilà, il y a des petites déchirures ici. C'est pas, enfin voilà quoi, ça se tient de peu. Par contre, c'est bien complet. Je vais essayer de vous montrer les pages et toutes les pages. Je crois qu'il y a juste une page au milieu du bouquin qui est détachée, mais pas arrachée, mais elle est détachée quoi. Mais ouais, voilà, quand on a la soluce du jeu, la première partie en tout cas, tout en français. Donc ouais, bon, pour 50 centimes, j'ai voulu sauver un peu le truc. Donc ouais, bah, vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas en très bon état, mais bon, pour 50 centimes. Je l'ai sauvé. Ça aurait été un autre magazine de jeux vidéo, on va dire un peu plus récent, j'aurais pas pris, hein, bien sûr, surtout dans mon état. Mais bon, là, 64 players, je sais qu'il y a des gars qui seraient bien contents d'avoir ça dans leur collection, même dans l'état. Et celui-là, il est sorti, tac, 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 déjà, il coûtait 32 francs à l'époque. C'est le volume 5. Et c'est sorti en 98. Donc bon, les gars, c'est vieux tout ça, c'est vieux. Donc voilà pour 50 centimes et les trois petits jeux pour 15 euros. Donc ça, c'était le samedi. Et là, du coup, on va passer à aujourd'hui, à dimanche. Et y a quand même des petites choses sympas, mais je veux dire, c'est pas non plus, y a pas énormément de choses. Donc on va commencer par ça, c'est dans le désordre. Donc là, j'ai vu dans une caisse de jeux, vous le voyez aussi, il y avait pas mal de petits jeux que je comptais prendre et au final, il n'y avait pas les CD dedans, rien du tout. Et la personne elle me dit c'est 3 euros le jeu. Donc là, je vois qu'il y avait le Crash Bandicoot sans jaquette, sans notice, le Crash Bandicoot le premier en platinium. Et j'ouvre la boîte, donc dedans il y avait 3 CD. Donc je lui ai demandé, déjà j'ai fait une négociation, c'est 3 euros le jeu, j'ai demandé à 2 euros et avec les CD en plus, il m'a dit ouais. Donc il y a bien le Crash Bandicoot, les CD sont propres, des micro-rayures mais rien de méchant. Donc le petit Crash Bandicoot comme ça pour 2 euros et dedans il y avait le GTA premier du nom, pareil en platinium. Et le Tekken 2, pareil platinium. Donc là voilà, pour 2 balles, je trouve que ça restait correct, même si c'est pas la folie. Ça reste sympathique, je pense que je l'ai déjà Crash Bandicoot, d'ailleurs le CD il est vraiment comme neuf, faudrait que je vérifie avec le mien, pour upgrade à la rigueur. Après j'ai eu un petit Ninja Gaiden 2 sur PS3 qui était à 5 balles, je l'ai eu pour 3 balles avec la négoce. Donc ça c'est pareil, c'est assez sympathique. Ouais, j'avais retourné la notice, parce qu'elle est un peu pliée, il faut que je la remette, c'est un peu plié comme ça, vite fait. Sinon complet, donc pour 3 balles. Après là je suis assez content, le Ratchet & Clank sur PS5 que j'ai eu pour la somme de 15 balles, donc ça je pense pas l'avoir filmé. C'est une dame qui vendait des chaussures, beaucoup de parfums neufs et tout, elle avait ça et elle avait le Horizon, le dernier sur PS5 aussi. Celui-là elle le faisait 40 balles mais il était sous blister. Et donc celui-là je lui demande le prix, elle me dit 20 euros, donc j'ai attendu un petit peu, puis après je lui dis pour 15 euros vous le laissez, et puis elle m'a dit oui allez c'est bon. Donc pour 15 euros je pense que c'est correct, je suis bien content, en tout cas je voulais me le tâter. Donc je vais pouvoir me faire ça sur la petite PS5 et puis voir ce que ça donne un petit peu graphiquement. Ça avait l'air sympa déjà dans les vidéos. J'attendais qu'il baisse de prix. Après là je suis assez content aussi. Pareil, un petit Resident Evil Origin Collection qui était de base. Donc j'ai demandé, c'était les jeux de PS4, je crois on le voit dans le live. C'était 6 euros, j'ai négocié à 5 euros. Donc Resident Evil Origin Collection, je pense que c'est sympa pour 5 balles. Bon voilà, il n'y a rien de fantasmagorique dedans. Hein. Hop, après... là je suis parti à une brocante, ça c'est une seule c'est la première brocante que j'ai fait dimanche, donc aujourd'hui. Et on a fait de la route en plus avec Emrach, donc avec ma compagne. Et environ 35-40 minutes de route. Et c'était une très grande brocante. Mais le problème c'est que moi j'ai mal à ma cheville, donc déjà pour marcher au bout d'un moment c'est un peu galère. Et du coup tout le monde, je pense tous les collectionneurs, artisteurs, etc. ils sont tous retrouvés au même endroit, donc
J'ai fait un tour, les gens, ils n'avaient même pas fini de s'installer. J'ai dit, bon, allez, on s'en va, ça me saoule déjà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et j'ai juste récupéré ça dans un bac. Donc, c'est le Kingdom Hearts premier du nom, mais c'est juste pour la jaquette et la boîte, quoi. En français. Et en fait, j'ai ouvert, c'est dans une caisse à DVD, dedans, c'est le Final Fantasy X, en loose, du coup. Et je dis à la dame, parce que moi j'avais pas mal de monnaie, pas mal de pièces de 20 centimes, je dis pour 20 centimes ça vous irait, elle me dit, oh non, 1 euro j'avais dit, enfin apparemment pour la caisse c'est 1 euro, je dis, mais en fait je vous le prends, je vous propose 20 centimes, c'est juste parce qu'en fait c'est juste pour la jaquette, je sais même pas ce que je vais en faire honnêtement, j'ai déjà le jeu, mais bon c'est du Kingdom Hearts, je voulais pas le laisser, je lui dis c'est juste pour la petite jaquette, le CD dedans en plus il est vraiment bien griffé pour le coup c'est vrai. Donc je me suis dit bon le CD à tous les coups c'est poubelle, donc bon c'est juste pour la jaquette quoi. Elle m'a dit oui bah allez bah va pour 1 centime. Donc bah j'ai récupéré, je pouvais pas laisser en plus avec la belle petite jaquette brillante, puis moi avec Kingdom Hearts c'est une longue histoire. Ensuite, un peu hors jeu vidéo, c'est le seul truc qui est hors jeu vidéo, un petit Walt Disney, donc c'est 101 Dalmatiens 2. Donc là c'est sur la trace des héros, que j'ai eu pour la somme de 1 balle, donc voilà, rien d'extraordinaire, quoi. C'est un Disney. Hein. Je fais une petite collection vite fait de Walt Disney, mais classique, là il n'y a pas marqué classique, donc je sais pas, après bon, ça reste du Disney quand même, je vais pas m'embêter, ça reste sympathique quand même. Pour un bal. Ensuite, j'ai eu un petit, bah, deux jeux de PS2 qui étaient de base à, je crois c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, j'ai eu les trois. Bah, c'était 2 euros pièce et j'ai eu les deux pour 3 euros. C'est ça. Donc dedans, il y a le Disney Donald Quack Attack. Donc ça reste sympa quand même. Avec le français d'ici, c'est dans l'espagnol, ouais. Au dos qui est complet, ces petites publicités, les CD sont en bon état, j'ai vérifié. Et le Dead or Alive 2. Donc ça, je suis assez content pour la collecte. C'est pas des jeux qui cotent truc de dingo, mais bon voilà, pour 3 euros les deux complets. Je pense que c'est cool. Hop. Après, là j'ai eu un lot de PS1, donc vous l'avez vu qu'une PS1 en boîte. Et je demande à la dame, et la dame elle me dit c'est 50 balles. Je dis ouf. 50 balles, le carton il est bien abîmé, il n'y a pas les cas à l'intérieur, pas les notices. J'ai réussi à négocier le lot à 35 euros. Donc c'est quand même un prix, vous allez voir. Donc il y a une PS1, en fait pour la boîte il y a la PS1 avec une manette et ses câbles. Et après il y a une deuxième PS1 avec une manette blanche et pas de câble par contre. Donc on va dire que pour 35 euros j'ai eu la PS1. Donc là c'est le modèle tac tac, c'est le SCPH-5502C. Pour les experts des modèles, qui est bon, pas en excellent état, hein, même pour dire un peu abîmé, je vais avoir un petit peu de rafistolage à faire, genre là un petit peu de colle, ce serait cool. Et à l'arrière, il y a voilà, ça, faudrait que je mette un scotch transparent ici bien propre, remonter ça un petit peu comme ça et remettre un petit scotch. Bon, j'avais regardé, ça peut se rafistoler tranquillou, mais là pour l'instant, j'ai pas de scotch pardon transparent, donc pour rafistoler c'est un peu la merde. Bon sinon c'est pas foufou, dedans c'est vide, hein. Il n'y a pas de cale etc, mais bon ça reste quand même correct l'état, c'est pas non plus piteux état, c'est on va dire état moyen quoi, hein. c'est pas foufou, mais il y a pire. Et donc hop, après à tester ça fonctionne j'espère, la petite manette blanche de PS1 sans, donc là c'est les manettes sans stick, pareil pour la deuxième. Hop, bah, du coup ça doit faire partie du, ça doit être des, je pense pas que dedans il y avait des manettes avec analogue. Donc voilà une autre en grise, donc une PS1. Il n'y avait pas de surprise du chef dedans, j'ai vérifié sur la brocante. Et une deuxième, donc après il faudra que je regarde les modèles. Là c'est une 5, ouais, bah, je crois que c'est ça, est-ce que c'est les deux mêmes? Non, donc là il y a une 5502, donc c'est pour le pack, là c'est une 7502. Donc bon, à voir si ça fonctionne. En tout cas, pour le pack, il y a bien la console, la manette et ses câbles qui sont là. Donc câble d'alimentation et Péritel. Et la petite démo qui fait partie du pack aussi, la démo One. Qui est, bah, il y a le CD dedans, il est nickel. Donc la petite démo qui est fournie avec, c'est écrit sur le pack. On peut le voir ici. Donc en fait, il manque juste qu'à les notices du carton. Et dedans il y avait ça aussi, donc il y avait deux petits jeux de Play 1, rien de foufou, celui-là je sais pas, je connais pas, je verrai, mais en tout cas l'autre ça doit pas être la folie. Donc là c'est Grid Run, on dirait si vous connaissez, multilangue à l'arrière, ouais, ça a pas l'air dingue. Et là notice, il manque la jaquette avant, et pour l'autre jeu pareil, il manque la jaquette avant.
Et l'autre, c'est Tennis Arena. Donc voilà, rien de folichon, les gars. En plus, là, la charnière de la boîte est cassée. Mais bon, j'ai eu le lot pour 35 au lieu de 50. Donc c'est sûr, c'est pas l'affaire du siècle. Mais je pense que en revendant la deuxième PS1, si elle fonctionne, bien sûr, si les deux fonctionnent. Peut-être en revendant la deuxième PS1, peut-être les petits jeux parce qu'ils ne m'intéressent pas pour ma collection en tout cas. Et je pense qu'il y a peut-être moyen de récupérer au final la boîte avec la PS1 pour vraiment pas grand-chose. Peut-être une dizaine de balles, on verra bien. En tout cas, ça reste sympathique. Et après, là, c'est pas du jeu vidéo non plus, donc j'avais dit une bêtise tout à l'heure avec le Disney. Là, c'est un lot de livres Harry Potter que j'ai payé pour la somme de 7 euros. Donc dedans, c'est vraiment les premiers bouquins, les folios juniors. Donc il y a Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Bon, ils sont pas, voilà, ils ont un peu jauni et tout, ils sont complets et tout ça. Mais c'est pas non plus la folie, sachant que sur quelques-uns, il y a des écritures juste sur la première page, ils ont écrit, mais c'est pas sur les petits, vous allez voir après. Il y a Harry Potter et la Coupe de Feu, donc toujours pareil, hein, un peu jauni sur les bords, mais après c'est des vieux bouquins, hein, ils ont pas dû être stockés dans des endroits bien protégés. Donc là, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, oula, celui-là il est plus gros, il a plié. Et voilà, pareil. Vous voyez, ça a un petit peu, voilà, c'est pas méchant, mais bon. Et donc là, je pense que ça, c'est sympa, parce que j'ai payé le lot pour, donc là, ça fait 6 bouquins pour 7 euros. Sachant que de base, elle me disait 2-3 euros le livre, et après, je lui dis, bah, si je vous prends tout, elle m'a dit 7 balles, donc, cool. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Bon, là, je vais pas mentir, c'est pas des choses qui m'intéressent pour ma collection, mais je sais que les bouquins Harry Potter, voilà, il y a des gens qui recherchent. Et voilà, et là, vous allez voir, bon, là, il y a écrit, c'est tout juste là. Après, bon, là, c'est quand ça passe, il n'y a plus rien. Donc peut-être mettre un petit peu de blanco, dans tous les cas, je pense que je vais certainement trouver preneur en les revendant et peut-être pas l'échange. Donc je vais pas cacher les défauts, c'est comme ça. Dans tous les cas, tant que ça fait plaisir à quelqu'un, c'est bon. Donc là, c'est les reliques de la mort. C'est pareil, ils sont sympas, ces gros bouquins. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Et là, c'est la première page, on voyait des petits cœurs, il y a écrit des petites conneries dedans. Ouais, offert par ses parents, son anniversaire, le 7 octobre 2007. Mais voilà, ça, ça a l'air d'être du crayon gris pour celui-là, donc je pense un petit coup de gomme et il y a moyen. Bon, pareil, je pense qu'ils ont forcé, donc ça risque de laisser des petites traces, mais on verra plus trop les écritures. Et là, c'est un. Donc là, je dis, bah non, celui-là, il me dit rien. Et elle me dit, ouais, mais non, en fait, ça, c'est une encyclopédie. Et ouais, c'est marqué là, encyclopédie, le guide complet, donc tout l'univers magique de Harry Potter. Et là, c'est pareil, apparemment, elle me dit, c'est d'époque que les bouquins, là, c'est à peu près la même époque. Enfin, c'est un vieux bouquin, quoi. Je veux dire, c'est écrit 17,90€. Après, pour l'année, je sais pas. En tout cas, hop. Ah, il y a même des petites images. Donc, ouais. Il n'y a pas une petite. Une petite date. Donc, c'est peut-être pas très intéressant pour vous, mais bon. Voilà, il y a pas mal de dates. Donc, on va attendre savoir laquelle c'est. Enfin, bon, voilà. Quoi. J'ai eu tous les petits bouquins là. Donc, les 6 bouquins, les 3 gros. Avec les 3 petits d'époque que je me rappelle j'avais quand j'étais. Même à l'époque quand j'étais au collège, on les regardait à la bibliothèque et tout, on les empruntait souvent ces bouquins-là avec les copains. Donc voilà, les 6 bouquins-là pour 7 balles. Donc c'est très cool. Et je pense tout vous avoir montré pour ce week-end. Voilà, c'est pas non plus la folie, mais je suis quand même content. Il y a des trucs sympas comme le Ratchet & Clank. Bon, le petit lot PS1 à 35 euros, je trouve que c'est raisonnable. Mine de rien, je pense que le 64 player à 50 centimes, je pense que c'est quand même un. Même s'il est usé, abîmé, craquelé, tout ce qu'on veut, je pense que c'est quand même un beau truc. En tout cas, j'ai regardé vite fait sur eBay, j'en ai vu un de vendu, il n'y en a pas en vente. J'en ai vu un seul de vendu avec un autre bouquin de à peu près pareil, un autre Zelda, je crois, mais par contre, c'était vraiment en état impeccable. Bon, les deux bouquins sont partis à une centaine de balles, je crois, aux 90 balles ou 100 balles. Donc, bon, je pense que même si je fais le bouquin à 10-15 balles, ça pourra peut-être trouver preneur. On verra bien, ou pour un échange, ou on verra bien. Après, vous savez, les amis, moi, j'ai pas de tabou avec ça. Je m'en fous, on fait tous la même chose, les amis. Le but, c'est de rentabiliser sa brocante, de faire des échanges aussi. C'est intéressant quand on peut. Après, des fois, quand il n'y a pas d'échange à faire, on va pas s'amuser à tout garder, hein. Et puis, bah voilà quoi. Je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien. Allez, salut. Et n'oublie pas de t'abonner et de laisser le petit pouce bleu. Merci. Peace, les gars.